Et yo la boîte sur gaming, je se trouve une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une aventure survie. Et nous allons être. Cette aventure survie va être agrémentée de quelques lucky blocks. Voilà. Nous serons en compagnie du fameux. Du géant, du mal. Du grand. Du fameux, du majestueux. Et du. Oui, oui. Voilà, donc. Vous le connaissez bien, il est là sur tous les lives. Donc ouais. Bah là du coup il sera pas sur le live, il sera dans le live. Alors nous allons tout de suite rejoindre son monde et lui dire bonjour. Ah putain, j'ai mis le feu à la forêt. Oui, directement, mais putain. À coup, faut pas qu'il pète le coffre avec tous les lucky blocks, sinon on va bugger. Cours. Fuis. What is you want? Allez. On va. Attends, je suis en slash kill. Non! Ah non, j'ai oublié de mettre le kit inventory! Je peux pas mettre de bloc! Ah! T'as pas mis le kit inventory, non! Est-ce que t'as déjà ouvert des lucky blocks? Lucky block! Ah! Creeper se fait charger! What? Je me suis fait one shot! Ouais, c'était un. Ah? Bon bah tout mon stuff est comme là. Ah, le retour! Le retour de Zawardo! Ah oui, ah bah il meurt. Non, en fait, pas la vache polonaise. Tu peux mettre la journée s'il te plaît, parce que là en fait on se fait un peu violer. I hope you die in the fire. Voilà. Je suis mort par quoi? La bonne potion de dégâts instantanée. Miam. Oh yes, ah. Oh yes, effet de speed. Ah mais arrête! Vous êtes deux! Non mais vraiment, t'es le deuxième à me faire ça, le premier c'était Avex. Gagou! Ouais, les vieux zombies du désert qui donnent un effet de faim, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils donnent faim et ils ont l'air d'être délicieux. C'est comme quoi tu vois le tacos saucisse de Terracide. C'est la même chose. Ouais, le tacos saucisse de Terracide. Genre, tu mets ta tortilla sur de la tortilla. J'ai donné deux gros coups de poing. Ouais, ça va, maman le bébé. Ah, que maman le bébé, au secours, allez. Ah, non, shulker box, non, m'envole. Je m'envole. Attends, je prends ce truc. Touche-moi. Au revoir, Ellie. Au revoir. Allez, les enfants, on dit tous au revoir, Ellie. Au revoir, Ellie. Non, je suis vivant, petit noob. Oui, j'aurai la PS5, mais dans longtemps. En fait, quand Ellie s'envole, est-ce qu'on peut dire que c'était un hélicoptère? Non, franchement, non. Crève. Ta gueule, je te goumets, viens ici. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Axel. Ah, ok, bah Axel, viens ici. Ah, viens ici, Axel. J'ai mal. Regarde, là, je suis en train de taper Axel à travers ta caméra. T'es sûr que t'es en train de taper là? Là, ça fonctionne? Ah, j'ai mal. Non, là, y'a que moi qui ai mal. Ok. Bah, Axel, viens sur Minecraft que je te goûme. J'ai tellement mal. Yeah. Ah non, pas ça! Quoi? I believe I can fly. I believe I can see. Attends, je vais survivre. Je survis. J'ai plus qu'à temps. Ah quoi? Mais c'est quoi, mec? C'est quoi ce sniper? SNIPER. Ah oui, t'as vu? Il te touche à l'autre bout de la map. Mec, il est en train de tomber, le gars, il a réussi à me toucher. Ah, ah, en fait, c'est déjà des projectiles qui sont là. Dio Boran Eros. Ah. Alors, c'était pas à ça que je pensais, mais pourquoi j'ai amené moi. Ça fait 20 minutes. Demande ça à Ellie, ou je te bute. T'auras la PS5 ou pas? Qui moi? Ouais. Peut-être, on sait rien. Après j'ai l'argent, mais voilà, tu vois. Attends, je l'ai dit. Ah, adieu mon copain. C'est mon copain. Adieu mon copain. Je suis trop fort. Adieu copain. Regarde les émotes, Amen. Regarde la beauté. Regarde.
1 C'est moche, ça pue, ah c'est pas bon, tu pues. Petit fight, attends deux secondes, je prends tout. Un gagagou. Ah ok, même pas eu besoin de te buter. C'est mon gamin. Attention, on va le regarder mourir. Ah, c'est tombé. Gaga. J'adore Axel. Gagagou, Cédric 2020. Long, long, ah non, mais on est encore un. Allez. T'es où? T'es là. Il dit c'est toi. Aïe. J'arrive, Ellie. Gagagou. Gagagou. Vous allez pas courir, mon effet de speed s'est enlevé. Cours. Bon, je suis assez skill, j'en ai marre. Il fait des backflips. Cédric, j'ai perdu ma licorne, si tu la trouves, arrête la drogue. D'accord. Mais j'ai déjà vu, c'est la fiche, là. Tu vois la fiche. Ouais, je sais, j'ai déjà vu. So why do you say so? Piki pika kaku, ake kaki kakaku. Quoi? Un gagagou. C'est quoi, c'est sa chaîne, c'est Pulin Gamer ou c'est Pulin? C'est Pulin Gamer, c'est RTG Pulin. Ok, les mecs, allez sur sa chaîne et insultez-le dans les commentaires. Allez insultez-le dans les commentaires et des abonnés, venez bien sûr. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ta gueule. On n'est plus copains. Ça ne sert plus à rien. Oh, c'est quoi ça? T'es mort. Il manque des mots. Ne sert plus à rien car on n'est plus copains. On est pourquoi plus... il jamais de. La putain de t'es mort! T'es mort à toi aussi, t'es mort. Ce lapin noir, il a pas des yeux. Il est maudit. Are you maudit? Are you very nice maudit? Pourquoi tu fais des petits sourds? Moi aussi je peux le faire. Oh, plus de fer et d'or et de diamants et de zombies. Ah, quel bâtard! Oh, what? Je suis passé à travers. Tu vas quand même mourir. Esquive. Bah là, tu t'es. Tu m'as pas tué, chat. Viens ici. Oh, la brute. On s'en fout. Il y a quelqu'un sur ton live. Oui, et c'est. Et ça parle de Pulin. C'est Pulin. Non, ça parle de Pulin. Et tu sais, c'est qui Pulin? Ouais. Bah voilà. Alors, et, sous, et bizarrement, sous. Et bizarrement, souvent, quand il y a quelqu'un qui parle de Pulin, c'est lui. Donc voilà. Non mais je te jure, à chaque fois qu'il m'envoie un message, il y a toujours un compte différent. Le gars, on dirait qu'il a peur qu'on le reconnaisse dans la rue, c'est incroyable. Mais ça tire en tête de merde. Merde, j'ai one shot. En fait, Axel, il vient sur mon live, il se barre et à chaque fois qu'il revient, il dit un truc qui n'a aucun sens. On peut essayer. Ok, bah écoute, c'est comme il y a dit, meurs dans une grande souffrance en enfer, s'il te plaît. Adieu. Non, c'est ce que j'ai jamais dit en enfer, c'est toi qui dis ça. Mais j'aime bien l'enfer. Il y a un magnifique Axel Poulet. Abonnez-vous à sa belle chaîne et regardez surtout regardez Axel Poulet opening. C'est de l'art, c'est magnifique. TG. Quoi? Dis-quoi encore une fois? Dis-le encore une fois! Allez, dis-quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir! Ta gueule. Oh, mais ça va, on aime bien Axel Poulet opening, Axel. Ah, tu leur retiendras jamais de ta chaîne YouTube. Attends, mais la suite, en plus, t'as fait masse vues dessus, non? Mec, il a eu 20 milliards de vues. Il a eu 20 milliards de vues, il est riche. Ah ouais, 150 vues sur Axel Poulet opening. Mon petit frère t'aime pas. Ah. Il a dit quoi, ton petit frère? En fait, il avait mis mon frère t'aime. Tu crois que ça, il avait mis pas. Et du coup, mon petit frère t'aime pas. Eh ben, dis-lui, la putain de mort, le Joe, le David, là-bas. Vous vous attendez vous-même, bravo. J'ai adoré ce même là. Vous vous attendez vous-même, bravo. On va créer le loup et le poulet viandé. Je vais manger du loup ce soir. Ah.
I don't want to set the world on fire. Attention au pouvoir de son stand. Ce pouvoir est d'arrêter le temps. Par contre, je me suis déjà vraiment fait strike. À cause de... Ouais, de musique qui est tout... Non, de gros mots. Ah, ok. Genre, en gros, ça faisait 3 heures que je voulais enregistrer une vidéo, c'était en saison 2. Donc, je connaissais pas très bien. Ça faisait 3 heures que je voulais enregistrer une vidéo. J'ai finalement réussi, tu vois, mais du coup, au début de la vidéo, je faisais putain de merde. Si jamais le ça fonctionne pas, je vous défonce tous. Et du coup, bah, ma vidéo, elle est plus disponible sur ma chaîne parce qu'elle s'est fait strike. t'es fou sur YouTube là. T'as dit ça, même. Aussi, t'as un marqueur dans le nez. Quoi? Il y a un nouveau jeu d'horreur, In Silence. Genre, t'es dans une map, tu dois faire un peu des quêtes, et t'as un monstre qui te. Quand tu fais des gestes trop bruyants et un truc du genre, bah, il te fonce dessus. Et tu meurs. Et le monstre, il a une grosse bouche et une grosse langue. Pour te lécher la tête. D'où le nom In Silence. Oui, parce qu'il lèche les crânes chauves. En fait, dans toutes les saisons, il y a des stands cheatés. À part dans les débuts de saison où il n'y a pas de stand, tu vois. Il y a juste l'onde. Oh, il n'y a pas de stand. Il n'y a pas de stand. Personne n'a de stand. Tu es un stand. Oui. Je sais pas pourquoi il n'y a personne de stand. Pourtant, à mon avis, les stands, ça existe depuis longtemps. Comme le masque de pierre, mais personne n'en avait au moment de Joe Star. Mais non, parce qu'ils ont expliqué que ils ont commencé, les stands sont apparus après que un peu après que Dio se soit réveillé. Oui, je sais, mais ça c'est le maléfice pour les Joe Stars. Mais mec, c'est bizarre. Ça c'est pour les Joe Stars. Ça c'est genre Abdul, c'est pas un Joe Star, il a fait stand. C'est normal, c'est Abdul Joe Star. Paul Narev, Joestar, Caprio, Joestar, tous les mecs qu'ils ont fight avec des stands. Joestar, Joestar contrôle le monde. Trop puissant. Ouais, mais tu veux que tu te rappelles c'était quoi le stand d'Axel par avec le test des mandibules d'Axel. Ton vieux test qui est même pas certifié. Je sais pas, mais c'est juste rigolo qu'Axel il avait des mandibules d'insectes et que moi je pouvais créer des brèches temporelles. Ce serait cool s'il faisait un test avec ton groupe sanguin, ton année genre de naissance, ton jour et tout, et après, genre c'est un test Jojo certifié, comme ça t'as un stand et tout à toi, vraiment. Tu vas me dire que tous les 2006, tu vas me dire... T'as des mandibules d'insectes avec toutes tes informations, c'est que t'as vraiment des mandibules d'insectes. J'ai rencontré un utilisateur de stand, son stand pouvait donner des stands. Maintenant, si je frappe un stand ou un être vivant, je peux modifier ses particularités physiques. Et ses aptitudes... Ouais, donc mais en gros, nul, je contrôle ton stand et je te violer ta mère. Ouais, mais en fait son stand est trop bien. Mais mec, son stand est. Mais mec, écoute-moi bien, son stand il est trop cheaté. Le gars il donne un coup de poing. Bah oui, parce que le mec, le stand qui m'a décrit est trop cheaté. Genre, le gars il donne un coup de poing à un gars, il peut modifier ses aptitudes. Genre, mec, tu donnes un coup de poing, tu deviens Hulk. Hier, j'ai imaginé un stand qui libère du gaz toxique pour tuer les araignées. Viens, tu me prêtes ce stand. C'est du plus jamais ces vieux trucs dégueulasses qui me foncent dessus. Une fois, j'ai fait un cauchemar où il y avait plein d'araignées chez moi. Il y avait une araignée géante devant chez moi. Puis après, quand je me suis réveillé, ben, j'avais fait caca partout, on se l'a dit. Terre en vue ! Ben alors, en fait, je suis tombé sur la terre, du coup, c'est plus vraiment terre en vue. Pokémon. Attrapez-les tous, il pleut sur ma grosse gueule de gourou. Je vais pleurer parce qu'il n'y a toujours pas trouvé de biome, mais ça, je parcourais la map entière pour trouver des biomes, mais ça. Vas-y, tu entends que Capitaine Abandonné. Alors, chante du Renault. Je sais plus ce qu'il disait, attends, c'est. Toujours la banane, toujours debout. Ouais, il a vu la photo de mon stand, c'était caché dans la photo. Tu es sous mon emprise. Ah! Oh, tu m'approches. C'est un fameux trois enfin, comme un oiseau. Il sait où, Santillano. Tu préfères m'affronter au lieu de fuir. On l'a trouvé. La terre promise.
mon sort peut se cacher n'importe où et n'importe quoi. Peu importe la distance ou la dimension. Les copains, c'est la fin de ce live. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Wolf Gaming. Bye. Bye.